Marie Samain et Sabrina Brun se sont toutes les deux faites remarquer pour un acte de bravoure remarquable, mais surtout réussi. Nos deux ronchinoises de naissance travaillent dans le domaine de la santé. Marie Samain au service des dons d'organes à l'hôpital, Sabrina Brun en tant que coordinatrice SIAD à Lille. Ces deux personnes se sont trouvées au bon endroit, au bon moment. L'événement se passe au début de l'année scolaire, à la sortie de l'école, sous une température assez chaude. Alors que Marie Samain va chercher son fils, elle entend des cris proches de l'école. Se rendant sur place, elle voit le petit Ryan au bord de la voiture, allongé, sans connaissance et éprouvant des difficultés pour respirer. Elle perçoit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une insolation mais de gasps, des dernières respirations avant l'arrêt du cœur. Elle informe immédiatement les pompiers pour faire intervenir le SAMU au plus vite et démarre les massages cardiaques. Sabrina Brun, voyant l'attroupement autour du petit âgé de 6 ans, elle rejoint Marie Samain et pratique le bouche-à-bouche en alternance avec sa consœur. Dans ces moments-là, le temps dure longtemps. Les pompiers arrivent au bout d'une quinzaine de minutes. Ils activent le défibrillateur qui permet de faire repartir le cœur du petit Ryan. Le SAMU arrive juste après et l'amène au service de réanimation de l'hôpital. À ce moment-là, son cœur est certes reparti, mais il est toujours dans le coma. Le petit se réveillera quelques jours après. Il est désormais équipé d'un pacemaker afin de lui permettre d'éviter ce genre de crise. L'action de nos deux ronchinoises a été vitale pour ce petit qui leur est très reconnaissant. Elles nous disent toutes les deux qu'elles ont simplement fait leur travail. Au nom de la ville, Monsieur le maire a souhaité les médailler pour leur bravoure qui dépasse le professionnalisme incroyable dont elles ont fait preuve.